yeah. Indépendance, tcha-tcha, on a gagné. La précieuse liberté tant méritée. Et dans les rues ce soir on va danser pour célébrer tous nos héros tombés. L'indépendance, tcha-tcha, est arrivée. Nous allons enfin être récompensés. Et dans les rues ce soir on va chanter pour remercier ceux qui nous ont libérés. Les enfants des colonies ont longtemps courbé les chines sous le soleil et même sous la pluie, malgré la faim et la maladie. Oui, l'Europe a la technologie, mais pas les matières premières. Elle accoste sur nos côtes et prend le contrôle de nos terres. Mission civilisatrice, soi-disant humanitaire. Fini la traite négrière, place à la force militaire. 1885, conférence de Berlin. Les puissances occidentales ont eu droit à leur festin. 30 millions de kilomètres carrés de richesses à portée de main. Le gâteau Afrique partagé sans la présence d'Africains. Ils ont créé des frontières, érigé des barrières, divisant des peuples aux relations plusieurs fois séculaires. Ils tracent des lignes et des courbes sur une carte, s'appropriant nos montagnes, nos rivières et nos lacs, effaçant de nos mémoires nos empires et nos royaumes. Dahomey, Congo, Zulu, disparus tels des fantômes, imposant leur hiérarchie, détrônant nos monarchies. Impunément ils font régner la peur et la tyrannie, nous dictant leur religion, leur culture et leurs lois. Et nos héros résistent pour chasser comme des hors-la-loi l'Alma Micheku, Samori, la Dior ou Chaka, Béanzin, El Haj Omar, El Mahdi. Au Soudan, les indigènes par la chicotte ont été civilisés, sauvés de la damnation de force évangélisée. Effort de guerre, travaux forcés, tirailleurs sénégalais, chair à canon en ligne de front d'une bravoure inégalée. Après la guerre, la renaissance de la conscience panafricaine. Il était temps de s'affranchir du colon et de ses chaînes. Sekou Touré, Senghor Oufouet, Kenyatta, Lumumba, Mugabe, Cabral, Modibo, Nkrumah, même combat. Salut. A beautiful day, we had dreams and hopes, seeing so far ahead like telescopes, songs of freedom in the air, cheers and joy everywhere, the future's bright and so clear. Now it's time, let's work there. We got nations to build and moons to heal, a continent to put to work, economies to structure, healthcare, education, employment, agriculture, challenges on challenges of fate to reveal. More than a wave, it's self-determination, a will for progress, a brand new process for the rightful and legitimate control of the land and the wealth we possess. Our population is young, the soil rich and fertile, minerals, oil and gas from Cape Town to the Nile. It's the dawn of a new day, blank page, new chapter. The year is 1916, we mark it as a rupture. Clear and concise, but here we are years later on a game of dice. The dream was compromised and no longer about the people. Almost everywhere we got bloody and brutal regimes, killing, torturing and ruling by fear, corruption, divisiveness, pitting ethnic groups against one another, marching with the troops, dictatorship and coups year after year. Now something went wrong somewhere all along. What did we miss for the continent to not be strong? Is it a lack of institutions or just poor leadership? Did we have the human resources? Were we ill-equipped or was it cultural? Something to do with the model of new society the people couldn't relate to. What did they really expect? Trying to change us. As a result, even to ourselves, we're strangers. Okay. C'est la fin des colonies. On est enfin indépendant. Pour toujours, le colon est parti. Mais tous les jours, il est omniprésent. Et quand retombe l'euphorie des années d'indépendance, certaines anciennes colonies sont plongées dans la violence. Guerre civile, souvent due à des conflits interethniques. Trop de coups de
l'État installe l'instabilité politique. L'Occident sponsorise ces nouvelles dictocraties. Leurs intérêts n'ont pas d'amis, tout est question de stratégie. Pompier pyromane, toujours du bon côté du pouvoir, manipulant l'homme noir contre son propre frère noir. Fuite massive de capitaux vers des paradis fiscaux, avec la bénédiction complice de l'ancien bourreau. Assis sur de l'or pur, le peuple vit dans les ordures. Démocratie dans le coma, agonisant sous la torture. On appelle le FMI, la Banque mondiale, pour intervention économédicale. Après examen de notre économie, il diagnostique plusieurs types de mortelles pathologies. Faut amputer tous les organes pourris par la gangrène, c'est-à-dire réduire le train de vie de vos états. Soigner les infections de la gouvernance malsaine. Oui, il y aura beaucoup de suppression d'emplois. Le cancer est dans la gestion des ressources naturelles. Traitement de choc, de perfusion, d'ajustement structurel. La seule façon de vous aider, c'est de rester surendetté. Our responsibility is to charter a path which is about how we can develop our nations ourselves. By now, we should be able to finance our basic needs ourselves. We can no longer continue to make policy for ourselves, country, in our region, in our continent, on the basis of whatever support the Western world or France or the European Union can give us. It will not work. It has not worked, and it will not work.